Esquisse penalty. Number 27, Charles-Édouard Drouin. 2 minutes for hooking at 7. Et c'est Rollins qui count! Bon, on écoutait, là, ça a été une belle passe de Béraud. On écoutait Serge Côté, mais beau jeu, là, à l'avantage numérique des Olympiques. Mathis Rowland qui s'est fait complètement oublier au cercle droit en territoire adverse. Une belle passe fournie. Fin seul, déplacement latéral qui est un peu trop tard pour le gardien Aymon. Résultat, ben, côté mitaine, il se fait déjouer. Drouin, 2 minutes for hooking at 7. Et c'est Rowland qui compte! Bon, on écoutait, là, ça a été une belle passe de Béraud. On écoutait Serge Côté. Alors, Drouin, 2 minutes for hooking at 7. Et c'est Rollins qui compte! Bon, on écoutait, là, ça a été une belle passe de Béraud. On écoutait Serge Côté. Alors, avec le disque. Oh, alors, encore une fois, là, il y a Roy qui s'était bien démarqué de sa couverture. Vient chercher la rondelle dans le coin. On travaille devant Gill. Rondelle qui est maintenue. On travaille maintenant à 4. Il y a également McKinnon pour Roy. Roy dans la cavala! Et compte! Oh, c'est Allard, là, qui vient prendre un tir sur réception entre les jambières. Et c'est 2-0 Gatineau. Effectivement, un moment fort en territoire adverse. On sent que le momentum est en train de pencher du côté. On reprendra l'action. C'est l'abbé qui s'amène avec la rondelle. Passe par derrière. C'est pour Johnson. Johnson à Bocage. Bocage a tenté de tricoter un peu trop. Ça revient pour le défenseur Arsenault. Arsenault, son tir a été raté. Passe! Oh! Quel arrêt de la part de Poirier! Oh! Avec la mitaine! Bocage. Toujours lui avec la rondelle. Bocage. Contrôle devant Mathis Rowlands. Passe interceptée. C'est Craig là, qui rejoint. C'est pour Véro. Véro qui tente de couper. C'est fait. Tire! Retour! Et count! Mathis Rowland qui vient marquer. Un deuxième but pour Rollins, un troisième pour les Olympiques. Tout ça avec 6-0-1 à faire à cette première période. Le momentum qui est définitivement du côté de la formation gatinoise. Bocage, c'est gagné. Par Bocage, tout le monde fait une chute là-devant. Il y a 3 joueurs qui ont fait une chute. On a fait sauter les patins d'Allard également. Ça n'a pas chassé, c'est Bocage avec le disque. Tire et compte! Oh, Bocage là, qui est venu finalement frapper le fond du filet chez les Huskies. On devait s'attendre un peu avec une attaque à 5 à 44% avant le début du match. Oui, tout à fait. Là, on a joué avec le feu et à un moment donné, ben, ce qui devait arriver arriva, l'attaque... Là, oui. Mais se lancer dans la lucarne ne donnait aucune chance au gardien Poirier. Le devant du filet, ça n'a pas fonctionné. Passe, tir, Turcotte un tir, retour! On s'est passé encore une fois le poteau, là. Pour ralentir le jeu, là. Cardinal, un lancé de loin, tir et compte! Voilà, c'est Bocage qui vient marquer. C'est 3-2. Ce qui devait arriver, arriva en ce moment, là, beaucoup trop de pression de la part des Huskies. Les Olympiques en avaient partout. Et ça coulait de partout. Le résultat, ben, on vient de rétrécir l'écart. C'est maintenant 3-2. 5,55 à faire au deuxième tableau. C'est 3-2. Landry vient chercher dans le coin, veut remettre à Allard. Allard vient frapper sur le jeu en défensive. C'est récupéré par Allard. Allard attend, veut remettre à McKinnon dans l'enclave et c'est finalement le gardien. Et count! Oh, c'est le gardien Aymon qui croyait avoir le disque dans la mitaine. Et c'est Allard, je crois, qui a poussé le disque derrière le gardien. Tout ça avec 31,9 secondes. Sur ce but, la séquence a débuté à la ligne bleue des Olympiques. Et on parle souvent de l'importance de la première passe. Fort, beaucoup de zizanie autour du filet des Huskies. Et le résultat, ben, on prend encore une fois une avance de 2 buts. C'est 4-2 pour les Olympiques. On va faire été dévié. Là, cette fois-ci, c'est Luneau qui en a payé le prix directement dans l'enclave. Encore une fois, c'est Bocage, juste un tir. Lui, il en a déjà marqué 2. Faut faire attention. Rondelle qui est libre. Et voilà, il compte.
Oh, il y a Poirier qui pensait bien avoir le disque. Est-ce qu'on ira voir la reprise plus haut? Mais Luneau, là, qui est à genoux à côté de son gardien, lui qui a reçu un tir de Bocage direct sur la cheville. Et Nick, dans tout ça, il y a encore 3-12. Ça veut dire qu'on a un autre avantage. Juste à faire l'avantage numérique des Huskies. C'est Avelina qui s'est amené avec un 4 minutes au banc des pénalités. On a marqué sur le premier 2 minutes. Alors, on terminera les 5 secondes en espérant Avelina aura le temps de revenir sur la patinoire. C'est Régis. Tir de Régis. Ça a été effleuré au passage. Encore une fois, là, bon déplacement. Oh, il compte! Oh, c'est avec le déplacement. La rondelle est venue se cacher derrière le gardien Poirier. Déplacement latéral de Poirier, effectivement, n'a pas retrouvé son poteau au bon moment. Petite ouverture. Bon repli de la part de Landry. Landry qui a été frappé au même moment par Bocage. Et voilà, contre-attaque de la part de McKinnon. Orlel met les freins. McKinnon, au même moment, fait une chute également. On veut remettre. C'est pour Landry. Et compte! Monix Landry qui vient marquer un cinquième but pour les Olympiques. Et on prend les devants pour la formation gatinoise. Quel but au moment très important. Il n'y a pas meilleure personne que le capitaine pour prendre les choses en main.